Always hyping up the crowd, always holding my team down. If you fall, then get up and go another round. I'll be on my way, tell my haters I'll be back soon. City on the map soon, tell them where you at. Always hyping up the crowd, always holding my Eh bien salut tout le monde, c'est Skelz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Glitch sur GTA 5 Online. Alors cette fois-ci je vais tout simplement vous montrer comment faire du bateau sous l'eau comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo. Donc c'est vraiment un glitch assez fun à réaliser. Donc pour le réaliser vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi dans la vidéo, c'est-à-dire juste au bout de cette route qui mène nulle part. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une activité juste à cet endroit-là, c'est site gouvernemental. Donc je n'ai pas testé cette activité, cet affrontement car j'ai pas de connexion potable pour me connecter avec 4 personnes. Déjà avec une personne c'est déjà toute une épreuve. Donc allez tester pour voir si vous pourrez réaliser ce glitch pendant l'affrontement, ça peut être vraiment pas mal étant donné qu'on peut être invincible. Et si vous pouvez mettre un parachute dans un affrontement, il me semble que non, mais essayez, bah, vous pourrez aller faire du bateau sous l'eau, donc ça peut être sympa. Donc comme vous avez pu le voir, on va juste se rendre à cet endroit là dans le site gouvernemental et vous allez grimper au dessus de votre voiture pour ainsi grimper au dessus de votre de la porte. Donc une fois que vous serez là, vous verrez qu'à gauche il y a un trottoir, donc on peut y accéder dans le wallbrush des deux côtés. Donc là je vais juste me retourner et vous montrer qu'il y a un toit invisible. Donc une fois que vous êtes là, vous pourrez tirer à travers le mur invisible pour tuer vos adversaires pendant la mission. Enfin je dis pendant la mission mais je ne sais pas, donc ça peut peut-être ne pas être possible en mission. Mais en tout cas vous pourrez faire rager pas mal de personnes qui se baladent à côté et qui voudront vous tuer en allant dans ce wallbrush d'invincibilité. Donc une fois que vous serez là aussi, comme je vous l'ai dit, vous pourrez aller soit à droite soit à gauche sur les trottoirs. Donc les deux côtés sont les mêmes. Vous pourrez faire ainsi un strafe jump pour aller ici derrière des grilles. Donc là on les voit pas en étant derrière, mais il y a des grilles à la base ici. Et une fois que vous êtes là, bah, les ennemis vous verront et ils pourront vous tuer. Donc ça peut être pas mal pour les troller. Donc une fois que vous serez là, bah, vous pourrez ressortir comme je l'ai fait par l'échelle. Donc tout simplement en vous y collant. Donc pour passer à la deuxième partie de ce glitch pour aller faire du bateau sous l'eau, encore une fois c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez faire un demi-tour une fois avoir grimpé au-dessus de la porte et vous placer sur ce toit invisible. Une fois que vous serez là, vous allez bien activer votre parachute, donc dans inventaire parachute avec, avant de sauter dans le trou noir. Sinon bah, ça va faire un petit temps en moins et vous aurez moins de chances d'arriver à aller jusqu'ici, donc à la pointe où c'est qu'il y a l'eau. Donc là vous vous élancez et vous faites directement croix. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez mettre votre voile au maximum en l'air parce que c'est vraiment à un petit chouille que vous arrivez dans le coin de l'eau. Donc c'est encore une fois un glitch de précision trouvé par moi-même. Donc je suis assez fier d'avoir trouvé ce petit glitch qui est vraiment très fun à réaliser avec vos amis. Car là, vous pourrez faire du bateau sous la plage. Donc ça peut être vraiment pas mal pour faire des petits trollages, etc. Donc après, comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, c'est encore un petit peu plus fun car vous pourrez faire du bateau sous l'eau. Donc ça, c'était trouvé par hasard. Hein. J'ai été dans le trou noir et puis je me suis rabattu sur sous l'eau. Et ça m'a fait aller dans l'eau et ça m'a fait remonter à la surface. Donc en fait, c'est un glitch assez fun à réaliser. Donc pour avoir le bateau, vous allez tout simplement appeler Meriwether. Donc je sais pas si je le prononce bien, on s'en fout. Donc là, vous allez appeler le bateau, il va venir vous chercher et après vous allez faire carré et non triangle pour lui voler le bateau et puis après vous allez le tuer avec votre arme et puis voilà, vous allez prendre le bateau pour pouvoir vous amuser dans ce petit wallbrush. Donc là je vais juste vous expliquer après comment bien faire le glitch pour faire du bateau sous l'eau. Donc c'est quand même assez simple et en même temps assez précis à réaliser. Donc tout d'abord vous allez tout simplement devoir foncer dans le trou noir en direction ici. Et vous allez vous rabattre sur le côté pour aller en fait récupérer le fond de l'océan. Et là en fait eh ben, le bateau va continuer comme s'il était dans l'eau et vous serez invincible en même temps. Donc ça dure pas très longtemps parce que le bateau il va être redirigé vers le toit directement. Donc si cette vidéo de glitch vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et pourquoi pas la partager. Ça me ferait vraiment plaisir, d'autant plus qu'on est bientôt 900 abonnés sur ma chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour mes 900 abonnés. Quant à moi j'enverrai encore une fois cette vidéo à la GlitchHackFR ainsi qu'à la Power Nation en espérant que ces deux sims m'upload. Et puis je vous invite aussi à regarder la description pour me contacter plus facilement. Donc Skype, Twitter, Facebook et Ask. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez bye tout le monde.